Salut à tous et à toutes et bienvenue dans la magie session. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas exclusive. Alors aujourd'hui c'est mon tour de magie préféré, ça s'appelle l'ascenseur. Alors pour ce tour de magie j'avais obligatoirement besoin d'une assistante, enfin plutôt d'un spectateur, donc je te laisse te présenter, vas-y. Bonjour, bonjour. Voilà, donc hop, elle s'est présentée, donc très bien. Donc en fait pour ce tour vous allez avoir besoin d'un paquet de cartes, hop, très simple, c'est très normal en fait. Voilà, vous voyez. Donc on peut le mélanger, alors je vais te demander de le mélanger. Alors tu peux le mélanger à la caméra, même si tu sais pas bien faire un mélange, c'est pas bien grave. Pour mélanger, voilà. Donc on essaye de mélanger comme on peut, hein. C'est pas bien grave, c'est vraiment le spectateur qui peut le mélanger. Pour une fois, vous pouvez voir que c'est vraiment un spectateur qui peut le mélanger, puisqu'elle est là. Donc on va se faire un petit mélange américain, en côté qui nous place. Hop, voilà. Hop, voilà. Alors, j'ai demandé très simplement de choisir une carte. Donc, hop, allez, vas-y, choisis une carte. Donc, admettons celle-là, tu la montres à la caméra. Et moi, je ne la regarde pas, hein, bien évidemment. Donc, voilà, je ne la regarde pas. Donc, ensuite, je vais demander si tu veux mettre ta carte dessus ou dessous. Mais en fait, je ne vais pas te demander, tu vas la mettre simplement dessus. Donc, un petit paquet. Voyez. Si je prends un gros paquet, c'est pour prendre longtemps. C'est simplement pour ça, hein, sinon, voilà. Donc, vas-y, tu peux mettre ta carte. Donc, tu vous remontes ta carte. Hop, tu ne la regardes toujours pas. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu. Je pense que oui. Et donc, je vais enlever un petit paquet de cartes, voilà. Je vais couper le paquet en deux, donc comme ceci, tac, comme ça. Et donc, je vais vous montrer la carte, comme ceci, là. Ensuite, je vais la poser ici, ok. Si c'est la vôtre, vous posez la main dessus. Si c'est pas la vôtre, vous posez pas votre main dessus. Vous la retournez, ok. Alors, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Ok, très bien. Donc, hop, parfait. Donc, si tu as compris, c'est parfait, parfait. Alors, donc, voilà, donc on va continuer. Donc, je vais te montrer la carte, hop, tu la regardes. Et je la pose, voilà. Donc si c'est la tienne, tu la retournes, si c'est pas la tienne, et bah tu la finis ta main dessus. C'est la tienne? Non. Et bah il faut la retourner si c'est pas la tienne. Voilà. Alors, très bien, donc là, hop, je vous la montre. Donc vas-y. Je la remonte. Voilà. Donc vous faut être très attentif en fait pour voir si on va passer sa carte. Mais vous allez voir, c'est tout très impressionnant. Voilà, donc là je vous montre les cartes une par une, c'est pour ça que je dis si on prend tout le paquet, ça dure trop longtemps, c'est simplement pour ça. Hein. Donc ce tour ne sera pas expliqué, je vous le redis encore une fois. Tout simplement pour une simple bonne raison, c'est que c'est mon tour préféré, je préfère garder le secret. Hein. Alors là c'était votre carte apparemment, donc vous pouvez garder la main dessus. Hop, on va faire un ascenseur, ce qu'on appelle. Donc on vient hop, serrer ses doigts pour faire exactement la même forme qu'un ascenseur. Vous voyez comme ceci, et la dernière carte, donc là pour lui, il aurait pu en rester plus qu'une, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que tu vas te concentrer sur ta carte qui est sous ta main. Donc quand tu as la carte qui est sous ta main, elle va prendre l'ascenseur. Là, elle s'est arrêtée au premier étage, elle va monter au deuxième, au troisième, au quatrième. Et donc, je vais te demander de choisir quel est le nombre d'étages qu'il y a à cet immeuble. 7. Ok, très bien. Donc c'est un immeuble à 7 étages. Et regardez bien, quand en fait, tout simplement, la carte arrive au 7ème étage, et bien hop là, c'est la vôtre. Hop là, je suis sûr, vous pouvez regarder sous votre main, ce n'est pas votre carte. Voilà. Et donc votre carte, si je ne me trompe pas, c'était le 9 de carreau. C'était bien ça? Très bien, c'était ça. Voilà, donc et ben nous, on va se laisser. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Avant tout ça, on n'hésite pas à mettre des pouces en l'air. On commente, on partage à ses amis et même à ceux qui ne le sont pas, bien évidemment. On n'hésite pas à s'abonner. Puis moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Allez, à ciao, ciao les amis.